L'union fait la force. Ça dépend du projet et ça dépend de la série télé. On va dire que la plus grande problématique quand on adapte une série télé, ce n'est pas les dialogues, parce que finalement ça a été fait pour l'oralité et là c'est signé par un réalisateur qui lui-même écrit du théâtre. Donc les dialogues, ça c'est le fruit qu'on emprunte en premier. La vraie difficulté, c'est la multitude des plans et notamment des changements de lieu. Passer d'un appartement à une scène de rue, à une scène avec 20 enfants. Comment ce modèle cinématographique va rentrer dans une boîte théâtrale? Et là, il faut trouver comme une réincarnation en fait de l'œuvre, garder son essence, mais finalement lui trouver un abri nouveau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fonctionné avec 8 heures ne font pas un jour. La puissance du collectif, elle est à plusieurs endroits dans ce spectacle. Elle est déjà inhérente à l'œuvre elle-même. L'union fait la force, si on devait un peu lui donner un sous-titre. Et en plus, avec une entraide intergénérationnelle, puisqu'on a ce personnage phare de la grand-mère, mais on a ces personnages aussi très identitaires du jeune couple qui a 20 ans dans les années 70, Jorun et Marion, et puis toute la galerie de personnages qui sont les membres de la famille, les quarantenaires, les travailleurs et les travailleuses à l'usine. Et donc, il fallait moi aussi que j'incarne ce collectif qui m'est particulièrement cher dans tout le travail que j'ai mené ces dernières années et qui soit aussi identitaire de ce mélange des générations en offrant aussi des grands rôles à des très jeunes acteurs sortis d'une école de théâtre, en convoquant aussi des acteurs qui eux-mêmes avaient fait du théâtre dans les années 70 et sortaient des écoles à ce moment-là, plus ma génération à moi. Donc c'était aussi une rencontre et une petite fille aussi qui rejoint la troupe, donc quatre générations réunies, telles que l'avait aussi de façon utopique, fantasmée, cette réunion qu'avait créée Fassbinder en son temps. Moi, je crois beaucoup à l'autogestion. C'est étrange de dire ça quand je suis moi-même directrice du Centre dramatique national de Saint-Denis. En tout cas, dans le spectacle, par exemple, la notion d'autogestion, on l'incarne, mais elle est aussi réelle dans la façon dont les acteurs, les actrices, les techniciens, tous les membres du collectif artistique réunis gèrent ce spectacle. Parce qu'on incarne une vingtaine de personnages, parce qu'on passe d'une figure à un autre, d'une situation à une autre, comme une sorte de long plan séquence qui ne s'arrête pas durant les 3 heures de représentation. Et ça, si ce n'était pas autogéré par le plateau, cette utopie-là que j'ai voulu créer serait vraiment un bordel monstre qui serait impossible, qui serait trop lourd, qui serait un tank à déplacer en tournée. Pour trouver aussi cette légèreté du groupe, ben, il faut que chacun prenne sa place en conscience. Comment faire démocratie ensemble, et du coup c'est comme un maillage, voilà, qu'on réinterroge chaque jour et qui, je trouve, dans toutes les difficultés aussi de notre époque contemporaine, moi, me donne beaucoup d'espoir sur le fait que tout seul on peut pas grand chose, mais ensemble en tout cas on peut tenter des grandes choses.